Seulement, on nous demande de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais si on ne le fait pas, on nous demande de payer ou de compenser le fait qu'on ne le fasse pas. Voici le genre de document que l'industriel reçoit. Nous vous informons que notre inventaire aura lieu lundi. Nous comptons sur votre présence. En cas d'absence, l'enseigne a prévu une case à cocher. Marchandises gratuites en contrepartie. J'ai peur parce que si ça continue comme ça, de toute façon, mon entreprise disparaîtra. Mais d'autres entreprises disparaîtront. Il restera de la place que pour des grands groupes industriels, internationaux, qui peuvent s'inscrire dans ce rapport de force avec la grande distribution. Les pouvoirs publics épinglent régulièrement les enseignes françaises et européennes pour des pratiques jugées abusives à l'égard de leurs fournisseurs. Une grande partie des groupes serait concernée. Ces méthodes de négociation sont aujourd'hui contestées au sein même de certaines chaînes d'hypermarchés.